Ben, je viens vous faire une petite vidéo en plus des vidéos que j'ai déjà tournées. J'ai fait aussi, je ne vous avais pas montré, j'ai fait un petit calendrier de l'Avent comme ça. Mais ça, c'est pour offrir à... Alors, je vais juste vous montrer comment, comment il est. Parce que quand vous allez sur les vidéos, vous cherchez calendrier de l'Avent, vous allez trouver plein de tutos. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait tout ça. C'était juste pour vous montrer... comment je la couleur et tout ce que j'avais fait. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors j'ai mis un petit nœud. Alors mon nœud, je l'ai fait passer par en dessous. Je l'ai fait passer par en dessous. Comment? J'ai fait un trou, si vous préférez. J'ai fait un trou avant de coller mon papier intérieur. Et j'ai passé mon ruban et après je l'ai repassé, enfin je l'ai collé à l'intérieur et je l'ai repassé par le petit trou là. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est pour des amis que je l'ai fait. Voilà, j'ai fait avec des petites boîtes dorées. Alors j'avais des numéros, comment, j'avais des numéros sur un bloc, de chez Action. Mais les numéros étaient dans tous les sens. Il y en avait des en longueur, des en rond, des en petit carré et tout ça. Moi, j'ai pris ma petite perfo, j'ai tout coupé les numéros en petits ronds. Bon, j'ai mis juste un petit mot, bien sûr, parce que c'est pour une amie. Voilà. Alors, je vais attendre qu'il y ait des... comment? Que les chocolats soient sortis et je le remplirai. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que si... on ferme comme ça, peut-être que les boîtes vont peut-être s'ouvrir quand... alors, ce que je vais faire, quand je vais mettre mes chocolats dedans, voilà, quand je vais mettre mes chocolats dedans, je vais refermer et je vais mettre un tout petit bout de scotch sur le côté. Bon, pour les autres, ça sera plus compliqué, je pense, pour ceux du milieu, mais je vais me débrouiller, parce que j'aurais bien mis des petits nœuds, mais comment? Mais maintenant c'est collé, je ne peux plus. Donc ce que je vais faire, ben, je vais mettre un petit bout de scotch comme ça, mais très petit pour que ça tienne. Et puis voilà. Donc j'ai fait mes petites boîtes avec un bloc 15-30. Attendez, parce que celui-là, pourquoi il est collé? Ben non, il ne devrait pas être collé. Ah voilà. J'ai fait mes petites boîtes en 15-30 avec du papier 15-30. Là, je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai fait mes petits couvercles avec du papier miroir. Voilà. Donc, je pense que ça va plaire, j'espère. Voilà. Donc, voilà mon petit calendrier de l'Avent que j'ai fait pour offrir à une et un ami, deux amis que j'apprécie. Voilà, donc je vais leur offrir ça bientôt, parce que je vais les voir bientôt de toute façon. Enfin, en espérant que les chocolats de Noël vont sortir, parce que s'ils ne sont pas sortis, je ne pourrais pas le terminer. Donc voilà, j'ai fait... alors c'est des... comment? Oui, j'ai fait des boîtes de 5 sur 5, aussi bien en... enfin, des boîtes carrées, de 5 sur 5 et 5 en hauteur. Et voilà, je trouve qu'avec le papier miroir en couvercle, je trouve que ça fait super joli. Puis rouge et doré, de toute façon, hein, ça fait... ah oui, je vous le montre à l'envers, c'est bien. Voilà, donc... voilà mon petit calendrier de l'Avent. Donc, j'ai calculé à peu près 1 cm entre chaque pour pouvoir coller mes boîtes. Comme mes boîtes font 5 sur 5... Eh ben, j'ai fait un espace de 10 cm ici, en laissant 1,5 cm entre chaque carton de ma couverture. Mais ça, je vous dis, je ne vous montre pas comment j'ai fait, parce que vous allez sur YouTube, vous tapez calendrier de l'Avent, vous allez trouver plein de modèles et qui vous expliquent comment on fait. Moi, je l'ai fait à mon idée, je n'ai pas vraiment suivi de tuto à personne. Je me suis, comme j'en avais déjà fait d'autres années... c'est toujours le même principe, hein. Vous faites comment? Vous faites une base, vous mettez un carton, deux cartons, le carton du milieu, et puis vous calculez une fois que vous avez vos 24 boîtes de fait. C'est à vous de calculer comment vous allez les installer. J'aurais pu mettre
tout comme ça, sans fermer, sans juste sur une plaque. On aurait pu, j'aurais pu faire ça aussi, mais je trouve que c'est fait plus joli comme ça. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai mis mes, ça c'est pas trop grave, je peux les retourner mes couvercles, mais ça, il est à l'envers. Parce que je viens de m'en apercevoir, vous voyez, les maisons sont dans ce sens-là. Donc j'aurais dû mettre mon petit mot ici. Parce que je vais faire, je vais en remettre un. Celui-là, je ne peux pas le décoller. Non, je ne peux pas. Et je vais le mettre dans. Je vais en coller un autre par-dessus, dans l'autre sens. Et les numéros, ben, je vais les changer. Je vais les mettre comme ça. Voilà, je vais les changer, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais pouvoir faire ça. Vous voyez, elles s'emboîtent bien mes boîtes. Hein. Vous voyez? Bon, je vous dis, j'aurais pu mettre un petit nœud. Mais il aurait fallu que je passe du ruban entre chaque, en dessous chaque boîte. Donc ça fait. Non, ça aurait fait. De toute façon, je pense que ça aurait fait trop chargé aussi de voir des nœuds au-dessus comme ça. J'aurais. Peut-être pas. Bah dis donc, vous voyez, ça tient bien. Hein. Allez, Coco. Hop. Vous voyez, ça tient bien, donc j'ai pas de soucis. Ça, je pense que ça va tenir, mais je mettrai quand même un petit bout de scotch quand j'aurai mis les chocolats à l'intérieur. Alors, celui-là, il veut pas y aller. Bon, mais si, quand même. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Voilà. Je sais que j'en avais un qui était un peu plus raide, et bien le voilà. Là, hop. Vous voyez, ça, c'est pas grave. Vous voyez, je peux les retourner. Il n'y a pas de souci. Je peux retourner mes numéros. Hop. Et hop. Et pendant que je suis avec vous, ben, je vais faire cela aussi. Voilà. Et mais par contre, là, je vais remettre un autre petit mot, mais dans le bon sens. Parce que c'est bête si on ouvre le calendrier puis qu'il est à l'envers. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Autant le faire bien. Si je l'offre, autant le faire bien quand même. Hein. De toute façon, je l'offre. Il n'y a pas de. Voilà. Il devait y avoir encore un petit bout de colle. Alors, on va y aller doucement. Je comprends pas parce que je les ai fait avant mes petits. Comment? Voilà. Je les ai fait après, mais avant, après. J'ai fait toutes mes boîtes avant et après mes couvercles. Et après, j'ai collé, enfin, je me suis arrangée. Là. Vous voyez, c'est. Hop. Bon. Mais il va tenir. Hein. Voilà. Hop. Il y en a qui vont sûrement pas s'en aller. Il y a peut-être des couvercles qui sont un petit peu moins larges que les autres. Un petit peu plus larges. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus simples à remettre. Mais bon, c'est pas bien méchant. Hein. Voilà. Hop. À force de les défaire et de les remettre, on va y arriver. Hein. Ça va tenir. Hop. Celui-là, il va comme ça. Celui-là, il est bien mis. Et celui-là, non, il n'est pas bien mis. Le 2, il est à l'envers. J'aime bien mes couvercles en miroir. Je trouve que ça fait super joli. Le papier que j'ai choisi pour la couverture, je l'aime bien aussi. De toute façon, j'aime bien tout. Alors, pourquoi je ne peux pas le mettre celui-là? Voilà. Hop. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, j'aurais plus que le mot à remettre à l'endroit, mais ça, c'est pas grave. Je vais remettre un. Comme j'en ai encore des petits papiers comme ça, je vais recoller un par-dessus. Voilà. Et on ferme. J'ai fait mon petit nœud. Bon, il tient bien parce qu'il fait tout le tour du calendrier. Hein, il est pris en dessous avec de la colle. Donc voilà. On fait comme ça. On serre un petit peu. À deux pour le serrer parce que et de toute façon comme je vais le redéfaire pour mettre du chocolat voilà donc voilà mon petit
mon petit calendrier. Ouais, celui-là, par contre, vous voyez, celui-là, il va falloir vraiment que je le colle, le petit le couvercle là, parce qu'il a tendance à descendre. Mais ça, c'est juste un petit bout de scotch et puis ça tiendra, c'est bon. Voilà. Donc voilà. J'aime bien le papier que j'ai choisi. Derrière, j'ai mis du papier bois. Et puis voilà. Alors pour ça, il m'a fallu deux feuilles 30-30. Celle-ci, je l'ai coupée en deux. Un d'un côté, un de l'autre. Donc elle m'arrivait à peu près ici. Et celle-ci, je l'ai mise entière aussi pour que ça me fasse le tour. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. Hein. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps sur mon calendrier de l'Avent. Hein. C'est pas non plus. Bon, je sais, on en avance, hein, mais comme je veux l'offrir ce mois-ci à quelqu'un, j'espère que les chocolats de Noël vont sortir aussi, parce que si je n'ai pas les chocolats de Noël, je ne pourrais pas l'offrir. Je pourrais pas l'offrir tout de suite. Donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou, merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. Bisous!